Poufouf YouTube! Bonjour à tous et bienvenue! Aujourd'hui. Un accident. Ouf. Ouh là 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 là! Regardez devant! Mais qu'est-ce qui se passe? Bah aujourd'hui, on est sur la promode. On va faire cette fois-ci la vraie route de la mort. La fois d'avant, c'était la route de la mort, mais version Teletubbies. Aujourd'hui, c'est la vraie route de la mort. Pour ceux qui cherchent un setup. Châssis, baquet, volant. N'oubliez pas nos partenaires GT Omega, code promo Monsieur Super. Et Mozza R5 pour s'envoyer en l'air avec le shifter. 7 rapports, tu connais. Bref, on est sur la promode, comme vous devez vous en douter. Tuto 2023 dispo sur YouTube. Aujourd'hui, l'équipe, on est à Kirkenes. Qui est du coup la route de début de la route de la mort. De ce que j'ai compris, c'est des animaux. Et aujourd'hui, du coup, on va donc s'envoyer en enfer, j'ai envie de vous dire. Ça va être incroyable. On va aller charger une double remorque. Oh, le grumier. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout des grumes. On va aller chercher aujourd'hui une double remorque. On est avec les petits abonnés. Et on est du coup sur la promode dans une jolie petite ville en Finlande. Je vais vous montrer sur la carte où on est après, rassurez-vous. Oh, c'est stylé. Et donc, rapidement, la promode, qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent? C'est une carte qui est 200 milliards de fois... c'est pas ça du tout. Plus grosse que la carte de base. Donc clairement c'est obligatoire à essayer. Donc voilà la remorque qu'on va prendre nous. Donc c'est une double remorque parce que voilà, on est là. On est là pour s'amuser. Donc j'ai pris quelque chose de gros et de long. Ça me fait penser à quelque chose, tiens. À ma remorque. Ne cherchez pas plus loin, ça me fait penser à ma remorque. Donc là, on va. Comme papa dans maman. Voilà. Je suis sur T. Prêt à rouler. Parfait. Alors, on est où, on va où, les frérots? Nous sommes. Parce que si vous connaissez pas la promode, potentiellement, vous n'avez aucune idée d'où on est. On est à Kirkenes, une ville qui n'est pas accessible de base dans ETS2. Ok. D'ici, on va prendre la E6, E105. Jusqu'à la société MS Stein, ok. On est sur un axe où il y a beaucoup de monde, donc tous les points bleus, c'est des chauffeurs routiers. Et là, c'est vraiment la vraie route de la fin du monde. Donc on est tout là-haut. Et regardez, grosso merdo, à quoi ressemble ma carte. Voilà, si vous voulez avoir la même chose, vous allez mater mon tuto, Monsieur A Super, tuto promode 2023. On peut aller vraiment partout. Clairement, c'est incroyable. Le jeu de base ne permet pas tout ça, pour information. Donc là, on est vraiment sur un beau mode. Puis après, évidemment, on a l'Europe dans son intégralité, on va dire, avec vraiment des axes de partout. Tu vois, on peut aller assez haut, assez loin. Voilà, etc., etc., etc. Bref. Donc, la dernière fois, on a fait un Oslo Bergen, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un axe qui est plus petit, tu vois, mais potentiellement, ça va être un vrai moment de bonheur. On va se faire un Kirkenes, Kirkenes, parce qu'en fait, on va pas dans une autre ville, on va aller dans une sorte de société qui est basée un peu dans les montagnes. Voilà un petit peu l'idée. J'ai toujours mon petit Scania V8 Grinardo, parce que personnellement, je l'aime beaucoup. On est toujours avec les petits abonnés et écoutez, on va donc aller s'envoyer en enfer. J'ai donc une double remorque, donc ça va être, je pense, du sport. Et je vais vous montrer, regardez, il y a une remorque et juste derrière, il y a deux remorques. Mon Dieu! Mais quelle idée j'ai eu de faire ça! Vous voyez les deux remorques là? Attendez, vous allez comprendre, on va sortir d'ici, ça va être un vrai moment de plaisir. Alors, on se met en vue GPS. Allez. Donc là, il y a plein. Tous les camions que vous voyez, c'est des vrais joueurs, ok?
Alors j'ai jamais conduit de double remorque, ça me dit rien. Alors pourvu que ça suive gentiment. Normalement la première elle suit la deuxième je pense. Regardez les rétros. Le rétro à gauche là. Regarde le bus. Regardez le bus. Mais quelle idée de merde on a eue. Je pense qu'on va, on va pas y arriver hein. Déjà tu vois on commence. On a que 68 km à faire. Une heure et demie annoncée hein. Une heure et demie. Et déjà, déjà je suis vraiment sceptique. Comment tu peux te dire Ouais, mais ah, ça va... Non, mais ça va passer, c'est... Comment tu peux te dire que ça va passer, tu vois? Attends, on va s'arrêter, je vais juste pas bloquer l'entrée du village. Ah, putain. Je peux pas trop me foutre dans le ravin, parce que si je me fous dans le ravin, on n'arrivera pas à repartir. Hein. Attends, là, c'est bon, là. Ah, là, c'est bon. Oula. Déjà, derrière, ça s'est fait un petit plaisir. Bon, voilà la bête. Scania V8, double remorque. On transporte, je sais pas quoi, des conneries, je sais plus ce qu'on a pris. Équipage. Évidemment, c'est important la luminosité. Donc là on est chargé, comme ça si jamais on finit dans une grotte ou de nuit, on est bon. Mon de Dieu, mais quel... C'est vraiment génial. Je vous jure c'est GTA. Non mais honnêtement, c'est GTA V le truc, hein. Voilà. Voilà. On s'est dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va être drôle. Je prends quelques photos, vous verrez en miniature laquelle j'ai choisi. Bon allez, go, c'est parti, parce que là, on va se faire insulter par tout le monde. Alors, attends, le GPS, on est bon. Ok, c'est parti. Alors, je sais qu'on l'avait déjà fait il y a longtemps. Je ne m'en souviens plus. Donc écoutez, c'est parti. Boîte manuelle, évidemment. De type Mozza. Le lien dans la description. Ça va être quelque chose. Alors, je sais pas si elle est interdite aux poids lourds. Après, c'est un jeu vidéo. Au pire du pire, on se téléportera, hein. Si jamais on se rend compte que c'est pas possible. Ouais, déjà. Ah, déjà, ça, on galère à le monter. On va jamais y arriver, hein. Ouais, déjà, sur Twitch, de ce que je lis, personne croit en notre réussite. Ok, pas de soucis, frère. Attends, mais là, faut aller où, là? Attends. Ok. Ouais, non, c'est bon, c'est la bonne route. Ouais, il y a un de ces mondes. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, hein. Il y a mes rétros, là, pour ceux qui veulent kiffer avec nous. Ça va, Alex? Bienvenue, Alex. Merci à toi, ça fait plaisir. T'es devenu un vrai. Attends, on sera un vrai quand on sera en haut de la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que le R5 il fait vraiment kiffer sa vie. Et le GT Omega Titan, j'ai vraiment l'impression d'être dans un camion. On est super bien assis. Et par rapport au bureau, ça change vraiment, vraiment tout. Hein. Ouais, j'ai pris un peu large là. Ah putain, j'avais pas vu. En fait, quand je prends large devant, la remorque derrière, c'est x2. Donc là, on a failli bainer. Je suis à fond.
Allez, mon bébé. On va pas y arriver, hein. Non, mais on va pas y arriver. Je pense qu'on va devoir changer de remorque, hein. Je vais devoir désatteler la remorque, hein. Au pire du pire, vous savez quoi? On abandonnera la remorque. J'ai vraiment peur qu'on... Je suis pas confiant. Je suis pas confiant. J'ai peur qu'on ait pas assez de puissance. Ah oh, putain, et on... Bon, on va voir, mais... à mon avis, on n'atteindra jamais le sommet. On va forcément se foutre en l'air avant, hein. Qui c'est qui y croit, là, qu'on arrive là-haut? Non? Comment on... Comment vous êtes, là, actuellement, là? Pour vous, ça passe? Pour ceux qui connaissent un peu. Ah, putain, faut pas lui dire. Ah, bande de bâtards. En fait, dès le début, tout le monde est en mode... Non, mais c'est impossible qu'il passe. Je vous jure, je désattelle la remorque, hein. Si je le sens pas, je désattelle la remorque. No fake, hein. On va voir. On va voir, si... Il manque au moins 700 chevaux. Pour qu'on puisse monter dignement. Voilà. Comme ça, on va savoir si le double remorque sur la route de la remorque, c'est une bonne idée ou pas. On va voir. Si ce soir, il y a des gars qui vont faire la route de la mort, et si j'y arrive pas, c'est de ma faute. C'est parce qu'on a bloqué... C'est parce qu'on a bloqué le truc. En fait, je pense que le truc qui va être chiant, ça va être sur les... Ça va être sur la reprise. Ouais, tu vois, les mecs, ils montent sans remorque, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche la remorque en bas. Oh là là, je... Quand je vois les... Ah, on s'est fait kicker du serveur. Ok, bah, on a la réponse, c'est interdit les doubles remorques sur cette route. Attends, on regarde vite fait à quoi ça ressemble peut-être. On va revenir sur le serveur après, on s'est fait kicker. Double remorque interdite. On va essayer de voir pourquoi, ok? Et après on retourne sur le serveur et on va aller rouler avec les abonnés. Attendez, attendez, on va essayer de savoir pourquoi. Donc là, c'est bon, on n'est pas en multi. Hein. On s'est fait kicker. On s'est fait kicker du serve. Oh, putain de merde. Juste après, on ira sur le serveur, rassurez-vous. Oh, la vache. Et ça va, hein. Quoi cette route là? Attends. J'ai un truc dans l'œil. Ça va là. Ça va. Ils auraient pu me laisser jouer en multi, hein. Ah, ça vibre un peu. Ah, c'est rien, ça fait les bras. C'est pas grave.
Recherche d'un nouvel itinéraire. Bon, allez, en multi avec quelque chose d'un peu plus léger, tu vois. Eh ben écoutez, on est reparti. Du coup, bon, on s'est reco. J'ai pris YouTube une remorque un peu plus petite. Mais bon, double remorque, on aura quand même essayé. Il y a une sécurité sur les serveurs. Tu peux pas envoyer une double remorque en multijoueur, mais tu peux le faire en solo sur la promod. Donc là, on a un poil plus petit qu'une remorque classique en longueur. Mais on a quand même un petit peu de poids, donc ça va être... Ça va être parfait pour l'aventure. Ah, et là, on a un grumier qui nous double. Donc lui, par exemple, le grumier, il peut pas y aller, tu vois. Donc écoutez, c'est parti. On retente notre entrée. En espérant que cette fois-ci, on passe... Ouais, si, c'est bon. En espérant que cette fois-ci, ça passe. Après, en soi, ils ont eu raison hein, d'interdire les doubles remorques. Vous l'avez vu en solo. J'ai fait 3 tours de virage. J'ai mis un coup de frein. On s'est mis dans la rivière. Là, on est en multijoueur. Donc les camions... ont une hitbox. C'est-à-dire qu'on peut se percuter, on peut faire des accidents, etc. Donc bon, la double remorque, c'était rigolo, mais là au moins, on sécure notre petit trajet. Donc on a été vachement loin encore, comme vous pouvez le repérer. Enfin, comme vous pouvez le remarquer, on a été... pouf, tout ça au moins. Donc là, tu vois, en espérant d'ailleurs qu'il n'y en ait pas qui descendent. Parce que si jamais il y en a un qui descend, bah là on est mort hein. Mickaël. Ah moi j'ai le Grinardo au milieu là. Ça claque hein. Ça va tu vois. Ça reste quand même un chargement. Ça reste quand même un chargement. Alors faut faire gaffe au panneau. Faut pas accrocher dessus l'équipe. Sinon, bah, tu rentres jamais chez toi, quoi. Et sur YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Tuto Pro Mode. Mode AR5. Et après, au talent, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Tout au talent. On a un beau setup pour s'envoyer en enfer. Ah, allez, double sens la route là. Mais quelle horrible idée. Et ça, c'est autorisé, ça. Salut. Quelle horrible idée en fait. Pourquoi ils ont fait ça? Attends, on va essayer de pas se retourner au même endroit. Donc là on était passé là. Les petites routes en terre limitées à 70 hein. Donc là il y a le R5 qui il direct drive bien. Eh ça y va hein. Ça pousse. Ça n'a aucun sens. Et tu vois, on voit l'air en face après. Attends, on va faire attention parce que... Eh, c'est la route de la mort, on respecte. On a eu un peu de mal à freiner. Donc là, faut un peu de bras pour le tenir quand même. Un peu de frein moteur. Là, on va se mettre en première. Premier passage un peu difficile. Donc là, je colle un peu la montagne. Après, ici, je suis passé avec une double cabine. Enfin, une double remorque. Une double cabine, c'est pas ça. Ça va. Là, c'est carré, l'équipe. C'est carré, le S. Les sensations, elles sont incroyables. Putain, ça change de l'autoroute, hein. Ça change de l'autoroute quand tu conduis là-dessus. C'est là où on s'est buté en solo. C'est bien, ça va me faire les bras. Hop là. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Là, il y a... Je sais pas, 2 heures, 3 heures d'attente.
Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout combien de temps on va mettre là. On est côte. Il y a 30 kilo... Il y a 17 km à faire. Le jeu, il annonce 31 minutes. Mais c'est le jeu. Donc en gros, ça met peut-être 10 minutes de base. Sauf que là, on est en multijoueur. Donc, tu vas pas rouler à 70. Tu vois, là, on est à 8 km/h là. Je sais pas, hein, j'espère qu'on arrivera avant la nuit. Sinon, c'est une vidéo qui va durer 24 heures. Hein. On est sur un live 24 en fait. Hein. On le sait peut-être pas. Hein. Live 24 heures. Route de la mort à 2 km/h. Voilà, à peu près. Devant, on a des trains. C'est rigolo parce que du coup, chacun a pris un petit truc. Devant, il a rien. Derrière, il a rien. Si, derrière, il a un plateau long. Mais il a rien dessus. Après, on a du conteneur. On a du train, enfin c'est... Bonne ambiance, c'est les vacances, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a un gars, il a fait un tout droit là, regardez. Ah bah il s'est fait dégager. Ah là 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 là, monsieur, ah, super. Quelle histoire, quelle idée. Mais bon, après, faut bien gagner sa vie, vous savez. Bah ouais, hein. C'est bien beau d'être chauffeur de poids lourd, mais bon, voilà, des fois, t'as l'aventure. Et là, vous pouvez voir sur mon GPS qui est sur le camion, tous les points bleus que vous voyez, c'est un camion. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous faites demain, mais vous pouvez annuler. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un... Un petit problème. Donc là, là voilà, là on est là. On est là. On est là. Oh putain, frère, t'abuses. Allez, vas-y, c'est bon là, tu passes trois fois là. Waouh! Tu vois, c'est ça que j'adore sur Trucker MP et la promode. Sur Trucker MP, tu peux jouer en multi. Sur la promode, t'as accès à des routes de fou. Tu mélanges ça avec le petit mode ZR5 et le GT Omega Titan. Tu kiffes ta vie, c'est trop drôle. Et il y en a bien qui va exploser, il va bugger, il va passer dans la rivière. Enfin, tu vois, ça va être incroyable. On a toujours pas avancé depuis qu'on parle, hein. En fait, c'est le tunnel là-bas qui a l'air de casser un peu les bonbons à tout le monde. Oh, il est beau son Scania, là. Scania jaune, Bumblebee, là. Wouah. Regardez là-bas l'autre qui traverse la rivière. En fait, je pense que tu dois pouvoir passer en off-road dans la rivière pour pas passer dans le tunnel. Parce que c'est pas le premier qui passe par la rivière là-bas. Mais je me souviens plus du tout de cette route. La dernière fois qu'on l'a pris, c'était il y a 2 ans. Il y a peut-être eu des améliorations, etc. J'ai complètement zappé, mais là, on est bien à l'intérieur du bordel. Voilà, la vraie vie de routier. Les bouchons. Là, ça a l'air de s'être débloqué, là-bas. Ah bah ouais, bah frérot, t'arrives à 80 aussi, forcément, hein, tu bloques, hein. Allez, c'est parti. Attends, on va se remettre sur la route parce que là, je suis en train de monter sur la montagne. Ouais. C'est moi, j'ai une remorque, alors je peux pas trop monter dans le talus, là. Parce qu'après, il faut que je redescende. Et je suis pas persuadé que... Le F7 téléportation tout garage, là, il nous arrange. La dernière fois, ça m'a tapé à l'autre bout du monde. Donc là, si on casse... on a le TF4, tu vois. C'est tout. Enfin. Et si dans 3 heures on est encore là, on a le TF4 aussi. On va se mettre 2 conditions. Là, le frérot devant, il en a eu ras-le-bol, il a fait demi-tour.
Bisous frérot. Ah, c'est une route poussée pour les vrais gaillards ici. Hein. Oh, il était beau le Mercedes. On aurait dit un camion de Formule 1. Ça fait 10 minutes? Un quart d'heure? On est toujours pareil. On n'a toujours pas passé le tunnel. Voilà. Ok, c'est à notre tour. Ouais, c'est à nous. C'est carré le S. Allez, go. Là, faut pas caler. Faut pas... faut foncer, là. En fait, je crois que dans le tunnel, on peut passer qu'à un camion. Et du coup, là, on les a laissés redescendre. Maintenant, c'est à nous, l'équipe. Voilà. C'est notre moment. La main sur le volant. L'autre sur le pommeau de vitesse, tu connais. Oh, putain de merde. Je vais plutôt mettre les deux mains sur le volant. Ouais, en effet, c'est un petit tunnel. Ouais. Alors, faut passer l'un au-dessus de l'autre. Tu vois, pour qu'on puisse passer à plusieurs. Mais là, c'est vrai que... faut serrer, peut-être. Peut-être ça passe à deux, hein. Tu sais, il y a un peu d'espace sur le côté, tu le vois dans mon rétro à droite. Tu sais, je pourrais coller un peu, mais... le truc, ça va être avec la remorque. Peut-être que ça bloquera, hein. Tellement stylé. Oh là là. Là, faut avoir un bon setup pour pas avoir mal aux pieds parce que tu passes vraiment ta vie à embrayer, freiner, accélérer, embrayer, freiner, accélérer. On met les petits cailloux sous les pneus et tout, c'est vraiment trop cool. Ah oui, le tune. Ah oui. Oui. Oh, vous allez adorer. Vous allez adorer ce qui arrive. Je vous dis rien, vous le voyez peut-être. Vous allez adorer. Les cauchemars commencent à revenir. Allez, mon gâteux. Investis-toi. Voilà l'endroit maudit. Le pont. Le pont avec... pour tourner, là, faut prendre l'argent. Il y en a un, il m'a collé derrière. Ah, c'est bon. Allez, go, c'est parti. Allez. La première fois que je suis passé là, j'ai bloqué la SMI. Je l'ai bloqué à gauche là, je crois. Je sais qu'ici, j'ai galéré la première fois. Je sais pas si on est passé là. Bon, pour le moment, on s'en rend pas bien compte. Ouais, vaut mieux que je continue à serrer un peu. Ah, si, c'est bon, ça passe trois fois là. Hein. Ouais, si. Ouais, c'est parti. Par contre, t'as vu le couple? C'est pas un camion de célibataire, ça. Hein. Le couple. Le célibat, le couple. Newton mètre. 730 chevaux, ma gueule. Et c'est pas des poneys, hein. Je peux te dire que... c'est des petits étalons. Oh, le monde. Bah, bon courage à vous, les gars. Hein. Bonjour. Oh, les gars. Eh, bien. Bien les camions, les gars. Ouais, les gars. Eh, bien. Allez, bien la route, les gars. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, vous allez passer votre nuit ici, vous. Ça a bien fait pour vous. Quelle drôle d'idée de redescendre cette route là. Je vous fais quelques petites vues POV, tu vois, pour que tu profites. Allez, go. Donc là, faut serrer la droite, hein, comme tu as pu le remarquer. On est sur une route à double sens. Faire attention sur le bas-côté, là, tu te fous sur une bûche, à mon avis, c'est finito bilou. Et là, je vois sur le GPS beaucoup de petits ronds bleus. Il nous reste 14 km à faire. On en avait combien au début? 18? Il y a une heure, il restait combien il y a une heure? Je sais plus combien il restait. Bon, là, il reste 14. Donc là, dans la catégorie...
Je ne comprends pas le concept du code de la route. On a un monsieur en blanc là qui s'est dit mais pourquoi les gens ils sont à l'arrêt? Vas-y, je vais doubler. Le Parisien. Voilà. Bonjour. Tous les matins dans ton kiosque. Donc on va bien le bloquer. Lui, jamais il passe. Camion à gauche là. Il se dit bah tiens, c'est bizarre, pourquoi les gens ils roulent pas? Vas-y, je vais doubler, c'est bizarre ça, je comprends pas. Le mec, il a cru que c'était un véhicule prioritaire. Et puis voilà, puis il est parti. Bah bravo, hein. Bon, les voitures, à la limite, ça peut passer. Eh, c'est peut-être la BAC, hein. C'est peut-être la BAC. Du coup, ils vont l'interpeller sur le côté, là. Bien joué, les flics. Bien, ouais, je... 4 heures plus tard, toujours ici. Donc là, il y a un virage qui a l'air de poser des difficultés. Parce que je crois qu'il y en a qui descendent. Il y en a qui montent. Il y en a qui grillent un peu les priorités. Il y en a qui doublent. Enfin bref. Donc là, on est là. On a attendu plus longtemps que le pont. Ouais, je sais pas ce qu'il faut. On n'est pas beaucoup, on est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 camions là dans le virage. Mais les trains, je sais pas, c'est la SNCF là, ils sont en retard. Ouais, vachement réaliste comme jeu quand même. L'autre il va nous reculer dessus là. Heureusement que j'ai mon beau Scania. Hein. Allez, go. Ah non, on n'est pas prêt de monter. Hein. Mais je me demande s'il n'y en a pas un qui a planté son camion. Là, le XF en bleu, là. Là, le Trucker MP. J'ai l'impression qu'il faut le doubler. Et en mode, le mec, il s'est garé dans le virage, on dirait. Parce que les trains, ils passent à côté. Petit coup de klaxon pour dire qu'on n'est pas content. Il reste 13 bornes. Moi, je vais y arriver. Moi, toujours plus. Le mec en jaune, il nous double, ok. Il est en train de foncer dans le frérot qui est devant. Ici, rien n'a bougé, hein. On est toujours bloqué au même endroit. Mais du coup, t'as un gars, il s'est dit... Je vais mettre mon clignotant. Regardez, il y a son clignot, là. Pour se rabattre. Je vais tous les doubler et je vais les niquer. Mais en fait, là, on est encore plus dans la merde que tout à l'heure, comme il y a un semi en plus. Bon, il y a toujours l'autre dans le virage qui fait chier tout le monde, là. Le mec, il avance pas, là, tu vois. Je sais pas ce qu'ils font. T'as deux gars qui se regardent, là-bas. Ceux qui se klaxonnent, là-bas, je... Pas d'infos. Et tu vois, à côté, t'as lui là avec son gros camion jaune là. C'est mort, je vous le dis de suite. Mais c'est mort frérot. Regarde, je te le fais bien comprendre. C'est hors de question. Je sais pas. C'est pas Noël ici. C'est hors de question frérot. Tu fais demi-tour, tu te casses. Regarde. Quel rat. À mon avis, on... Si dans une heure on est encore là, on arrête. Hein. C'est pas rigolo là. Il se passe rien. La route de la mort, elle porte bien son nom, la route de la mort. Si dans une heure on est encore là, fin d'épisode. Parce que c'est pas rigolo. Est-ce que c'est trop long? Dégage! L'autre il a voulu me faire l'intérieur. Mais c'est un malade ou quoi? Regardez, il est derrière là. Et il a voulu passer, hein. Il a voulu me la faire, hein. J'ai sorti un bras par la fenêtre. Et il est repassé derrière, je te le dis de suite, hein. Il a voulu passer. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai sorti un bras, j'ai fait frérot, je serai toi, je reste derrière. Voilà, il est là où est sa place. Derrière. Derrière moi. Bon, du coup, il va me coller le cul, il va...
Voilà, hein, tu connais. Et du coup, c'est bien, je peux relâcher le frein. Regarde. Je suis posé dessus. Ah. Ouais. Donc, on a un petit peu avancé. Mais maintenant, on est bloqué juste après. Voilà. Donc, l'aventure continue. Mais reste derrière! Mais retente le passage! Regarde! Oh, je vais sortir. Allez, mon Charlie! Allez, mon Charlie! Allez, mon Charlie! Allez! 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 Je suis tape dans le cul, là. Non, mais les gars, c'est une trois voies ou quoi? Allez, Charlie! Allez! Putain, Charlie, tu nous mets dans les problèmes, là! Oh, et l'autre, il se resserre sur moi! Allez, Charlie! Allez! Oh, putain, Charlie, tu... Tu nous mets, Tu nous mets en difficulté, là! Non, mais frérot, t'as pas le droit de te mettre en warning ici! Allez, chais pour le jaune, là! Charlie, tu déçois, je te le dis de suite. Je suis très déçu. Putain, heureusement qu'on a 730 poneys. Et qu'ils sont tous là... Attends, la caméra! Ouais, ouais, attends, j'ai calé... Attends! Ça fera pas redémarrer mon moteur plus vite si tu klaxonnes. Ok, c'est bon. Ah, oh, comment le jaune il s'est fait karma, vous avez vu ça? Il a voulu doubler. Et en fait, le gars devant, il a. Il, warning, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, moi j'ai essayé de pousser le collègue. Ça a pas marché. Du coup, le jaune il s'est fait bloquer. Du coup, moi j'ai pu doubler. J'ai pu doubler Charlie. Et du coup là c'est bien. Là on est bien de fou. Attention, attention. Je suis un véhicule prioritaire s'il vous plaît. Je suis streamer. C'est ma carte de streamer. Mettez-vous sur le côté. Voilà, et ça pousse. On va rester en 3. 3, pied tôle. Voilà, là c'est... En fait, il y a vraiment des portions sur la route de la mort où on va même pouvoir doubler des gars, je pense, hein, là. Allez, frérot! Oh, non. Oh, le frérot, il s'est mis dans le caillou. Désolé, frérot. T'iras pas plus loin, toi. Donc là, si tu tombes ici, t'es mort, hein. Pour ceux qui se demandent... S'il y a un pont là-bas, c'est pas pour rien. Oh là là, c'est vraiment... Si t'as pas mis ton pouce bleu, mets-le de suite, parce que... Là, t'as un gars là... Oh putain! Le train. Attends, je vais reculer. T'inquiète, mon ami. Allez, vas-y. Prends large! Ah, c'est bien, on est avec des... On est avec des collègues, là. Ça roule. Ça passe. Au pire, j'ai du WD-40. Un peu de lubrifiant, ça passe toujours. Allez, là. Ouf. Seigneur. On va croiser du monde, là? Non, je pense pas. Hein. Allez, l'autre, il roule avec ses warnings devant, là. Tu me laisses passer? T'imagines, on double là-dessus? Quelle drôle d'idée. Monsieur, ah, super. Waouh, regardez le vide. Tu vois le vide à droite, là? Bonjour. Là, faut essayer de serrer les fesses. C'est difficile quand t'as des couilles énormes, mais faut le faire quand même. C'est important. Pensez aux collègues. Là, tu fais un accident, c'est un peu dommage. Et vraiment, j'ai bien envie de le doubler, hein.
Soit je vais plus vite que lui. Là, faut prendre large. Ça monte en... Ah, je suis en première depuis tout à l'heure, ok. Ah, c'est agréable. Hein. Laisse-moi te doubler, frérot, non? Attends, je redémarre le moteur. Alors? Je sais pas si je peux le doubler là, honnêtement, vu comment il est mis. Je vais me bloquer dans le virage. Bah ouais, c'est le frérot devant, il vient avec un train aussi lui. Je vais essayer de le doubler, les gars. Maintenant, on a la puissance pour y aller, tu vois. Je sais pas s'il va nous laisser le doubler aussi. Hein. Non, il va pas du tout nous laisser le doubler. En plus, il a pris l'intérieur du virage là. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et là, je peux te dire 700 chevaux, ma gueule, hein. 730 chevaux. Écoute, j'ai été un peu dans le champ. J'ai fait, c'est bon, on va pas faire une vidéo de 2 heures ici. Hein, finito bilou. Il y a des femmes qui m'attendent. Y'a pas le temps pour ces conneries là. Vas-y, c'est vrai. La route de la mort, c'est pas la route de la patience. Alors, c'est qui, ça, encore? Allez, de nouveau les problèmes. Oh putain! Oh là 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 là! On est reparti pour 2 heures. Ok, donc là on arrive dans des portions de virage. Devant, il a le plateau long. Wouah, la moitié du plateau elle est sortie de la carte. Donc là c'est magnifique. Bel endroit pour mourir. Voilà. Là tu veux un raccourci, tu prends à droite direct là. Tu t'embêtes pas à aller jusqu'au bout, tu tournes directement, c'est un raccourci. Tu peux me croire, je m'appellerai Super. Mettre une première parce que tu sais, quand tu vois un tout petit peu de sable et le vide directement, c'est quelque chose, hein. Chauffeur de brousse, tu connais. Attendre là. C'est bien, on a refait un petit peu. Je me suis arrêté là parce que l'autre avec sa longue remorque, tu vois, il gêne les gars qui montent.
Comme ça, les gars qui montent, ils peuvent prendre large grâce à moi. Je suis un peu leur héros, tu vois. Donc en gros, tu peux pas venir avec une double remorque. Par contre, tu peux venir avec une remorque rallongée. Mais tu vas faire chier un peu tout le monde, tu vois. C'est vrai que ils ont bien fait d'interdire les doubles remorques. Bon, puis là, on est parti pour 2 heures de patience, à mon avis. Là, le Scania, il est bien. Il est posé, les frérots, là. Vous aussi, vous avez cru qu'il allait nous faire le pare-brise ? Ah. Ouais, je sais pas si on a bien fait d'avancer, mais il y a un moment donné, si on avance jamais, on passe pas, hein. Oh, derrière, il y a du monde, hein. Le petit accident là, on l'a bien vu. Petit accrochage. 3 km. C'est bien, on avance. Oh, le gars qui double, c'est la BAC ça. Regardez. Bon, après, eux, ils peuvent se permettre. Ils sont en bagnole. Tu vois, c'est plus simple. C'est pas comme le camion jaune de tout à l'heure là, par exemple. Comme si on souffrait pas assez, je vous présente la pluie, la tempête et le brouillard. Le tout réuni dans une seule vidéo de Monsieur Rasuper sur la route de la mort. Ça continue comme ça, pluie verglaçante. Comme ça, on va tous crever. Et là, accessoirement, t'as une voiture dans le fossé. T'as un face-à-face avec des poids lourds. Voilà, on attend l'aide de Dieu, là. On attend un miracle, un Deus Ex Machina. Voilà, voilà où on en est. Ça fait combien de temps? 4 heures, parfait. Ça fait plaisir, ça. Merci pour vos soutiens sur Twitch. Il y a un moment donné dans la vie, faut prendre les devants. Attends. Laisse-moi passer. T'inquiète, je vais pas te bloquer. T'inquiète! Laisse-moi passer. Voilà! C'est bon! Tu passes derrière là. Ah ouais, mais c'est l'autre avec sa voiture aussi là. Il fonce dans les voitures, enfin dans les camions. D'ailleurs, c'est bon, on peut tout lâcher. On est posé sur. Oh, quel. Alors, je vais pas vous mentir, je commence un peu à avoir mal aux jambes. Parce que. Tu sais, c'est un setup sim racing, hein, tu vois ce que je veux dire? Volant direct de drive, et c'est pas des pédales en plastique. Hein. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, ça envoie, tu vois, ça punch. Si vous avez déjà conduit dans les embouteillages, cette sensation un peu désagréable, tu sais, que t'as dans les mollets à appuyer, retenir, bah je l'ai là. Donc c'est plutôt bien, c'est très réaliste. Moi je l'ai là notamment parce que. On est bloqué depuis beaucoup trop longtemps. Mais on avance, rassurez-vous. La vue est merveilleuse. Tout le monde est à l'arrêt. Voilà, tout va pour le mieux. Et j'ai réussi à trouver une solution. Je me plante dans la remorque du gars devant. Comme ça, je pourrais lâcher les pédales. Voilà, c'est la petite astuce du rat, ça me fait plaisir. Hop là, et ça repart. Faut juste que je mette un coup de frein avant de lui taper le cul. Voilà, et après, je vais me poser sur lui doucement. Regarde. Et voilà. Là, je suis dedans, là. Je suis à l'intérieur. J'ai demandé avant, hein. J'ai demandé son avis, il est d'accord. Il a dit oui. Le monsieur, il a dit oui. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai cru que... Voilà, on s'était rapprochés. J'ai pas compris que... J'ai pas demandé. Il nous a mis un de ses coups de klaxon.
Ça va, ouah, c'est pas ta farouche, c'est bon, entre nous là. Voilà, c'est fou ça, les coincés, va. C'est quoi ces chauffeurs de poids lourds qui veulent pas un peu de... un peu de contact? Oh le monde. Gars, je vais me reposer dessus délicatement. Oh, ils sont jolis les feux verts du Scania là. Oh, les échappements là, sur le camion jaune. Qu'on n'a jamais revu chez nous. Pour info, je suis au point mort depuis tout à l'heure. On était en descente, c'était parfait. Alors, on arrive dans 2 km, donc on doit aller tout en face. Bon là, si ça bouchonne... Bon, on sait pourquoi. Tout le monde va aller livrer... Bonjour, joli Scania. Tout le monde va aller livrer ces trucs là, ces marchandises. Donc le souci c'est que s'il y a 100 camions devant nous, faut attendre que les 100 camions livrent. Donc potentiellement il y en a encore pour plusieurs dizaines de minutes. Parce que comme vous avez pu le remarquer, il y a toujours la hitbox. Ah, regarde, je me pose délicatement sur lui là. Tu vois ce que je veux dire? Je lui fais un bisou. Ok, ça a avancé un petit peu, nous. On continue nos petites affaires. Oh la vache! Serré ici. Donc le gars devant, il a été kické. Je sais pas ce qu'il faisait, il a eu un... Oh non! Ok, donc là, c'est la frontière de deux pays. Non, non, juste, je te donne ma force. Donc là, c'est un gars qui dit ça à la demoiselle. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un chat et t'as des gars, ils sont en train de se draguer. Donc du coup, c'est rigolo. Et Julie répond, ah merci MDR. La meilleure punchline, c'est quand même celle du mec d'avant. Hein. On était quand même sur quelque chose de sérieux. Julie qui demande, tu as quel âge toi? Je viens de découvrir, on aurait dû voir ça avant, je viens de découvrir qu'il y avait des Français qui se cherchaient. Julie, tu as Insta ou Snap? Tu sais, c'est le chat public que tout le monde peut voir. Il y a peut-être une belle histoire d'amour qui va se créer. Julie a 29 ans. Elle dit, j'ai 29 ans. Du coup, c'est bien, je pense qu'aucun de nous n'ira en prison. Une bonne chose. Après, Julie, elle demande au gars qui lui a demandé son snap pourquoi faire. Julie, pas nous, hein. L'autre, il dit pour discuter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, attendez, réponse. Et l'autre il dit, eh ben écoute, enchanté de faire ta connaissance. Un autre mec, parce que c'est un 1v9. Il y a un gars, il dit, il va te faire du sale. Oh là 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 là, c'est terrible, 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 terrible. J'ai envie de m'arrêter pour lire le chat tellement c'est drôle. Le 1v9, c'est un PUBG. Bonjour, ça va? Allez, garde-toi correctement, frérot. C'est terrible. On a réussi! Oui! Enfin! Bon, on embrasse Julie et tous ses amis. Ah oui! Ça a mis des heures et des heures et des heures et des heures. On a même fini sur Skyblog. Bien joué! En retard, je pense que personne n'est étonné. Donc nous sommes en retard. Tout ça pour rien. Ok. Continuer. Et bien joué. Bah écoutez, c'est la fin. Fin de la vidéo. On a du coup fait le petit truc là. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Voilà. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Donc en gros, ça a mis des heures et des heures pour faire... je sais pas, c'était quoi? C'est 14 km je crois qu'on a fait là. Et regardez un peu le bordel. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Bon bah du coup on se laisse là-dessus.
On va laisser les jeunes se draguer entre eux. Nous, on a des choses plus importantes à faire. Ramener le camion à la maison. Ramener la coupe à la maison. Du coup, on cesse là-dessus, pouce bleu, abonnance. Écoutez, en double remorque, c'était pas possible, donc on l'a fait en simple remorque. Et c'était déjà un sacré bordel de venir jusqu'ici. Pour information, vous pouvez le faire en solo directement sur la promode. Et vous avez un tuto Monsieur Rasuper qui vous explique comment installer la promode. Et ça, c'est beau. Bref, abonnez-vous, allez regarder mes super vidéos. Salut à tous, bisous, chouchou. Et si vous cherchez un setup, n'oubliez pas, Mozza R5, GT Omega, code promo Monsieur A Super, les liens sont dans le chat. Salut les routiers!